sitawi hino yewtede e wiya dum do ko koronu den ni mo yewti non fi ndondi haray ko golle goddo ko wadi arronu da dum sitawi non alla wadi kon koronu da jama on fo haray hino weltori din don ndondi antigi hida weltori din don ndondi nanudo fi din don wo haray himo weltori ko hani ankadi ko ya lando ko hondur roninta hande men on ko golle wobbe go hanki jango on ko golle men enen kadi sino wawlede fi buriya ko fi dina wona yewtede do ko dum do fuddorano ko wobbe fuddino golli ha enen tokkiden dum tawi den wurude no ben dum falirano yo mojjinire non ko dina be mojjiniri ko dum tumbiniren do jonnon enen kadi den hani miijitade ko on dur roninten wombe aroyde ben ko dum enen kadi acceten dureden ko beede tambite karamo ko be ben ko beede hetta place mabbe on ko dum si wadi darnugol de julirde e hubbitugol dude den tabintina de jama on janga ne ora ko ado dina tabita e hore makka haray dum hino jeya e ko ligue islamique on ko wete ko hande affaire religieuse on halfina si tay dum hino wadede haray hibe weltori dum hibe dolnini dum hibe inna on jarama yo Allah yobu fo ko buri modjude njotti haray tigi tigi on ko torotu den do wona ko juuti ko yo duaji din wade en yi ko dina kan woni buttu adodo seeda nane hari hiden ani ko honno natirten ka julirde do kono tine bay en fuddi ke julugol de jere wadunde den tawi ananata fi hay e hunde ko dum si wadi si tayi dem fala urtu ka leydi men do en mauni nay ka do dina en jabata ka yawe mauningol dina kannon ronkugol jabugol yo ka yawe ko jannugol kaka famine ittude dow iden mari goddum ka leydi men do ko leydele buy ala si tawi fi jokkeren dam memminama fi dina memminama ayi ay don laami be ben fow ittude horejo laamu ngun ha hewti ay duttube ben fow be tawete mum sede mum se woli do jone yi ay do representant president on hino do e yi ay representant wado be sariyaji bin ben hino do cnt on no do e yi ay karamokobe ben ben kadi hino do e yi ay no tolora leydi ndin fo bay ko waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu e yi ay fo hino do fo faale mum on ko hunde wotere ko mauningol koko Allah maunini do weltora koko Allah maunini do toro Allah yo wadan dum jikke e gebal fi mojjere wadande do den haray ko dum do woni dinaka kala mo yawi ke dum do e ndido leydi o wonata e jam siko lando wo siko goddo wo kala yawi do kado dina o wonata e jam dum ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri dum don haray ko yem beydu wakilade parce que ideji go famuji go falama argol ukkito ka dina do wiyayo pagay wade do dulle en jabata dum horebe men be jabata dum jama lagine on kadi jabata dum dina kan hiden andika ko wadate e dina kan fo l'islam on no holli ko ni warrete si goddo ari wi ukkitay tom ma warray dina kan no falira on wiyayimo o woya dum do tawaka e dina amen kan yaadu dum ton on don jabantake haray on yafoto haray je ne vais pas vraiment abuser de votre temps. Je voudrais seulement vous transmettre les salutations chaleureuses du ministre secrétaire général des affaires religieuses
du Premier ministre chef du gouvernement et du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Il vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de s'associer à ceux de Ouria pour marquer l'histoire de ce pays que nous connaissons. Notre histoire est bâtie sur la paix, la fraternité et sur l'islam. Tout ce qui va dans ce cadre doit être soutenu par tout le monde. Et le président nous a chargé de vous dire que vous êtes à encourager, que vous êtes à remercier, qu'il est reconnaissant par rapport à tout ce qui se fait pour l'épanouissement de la fraternité, la consolidation de la paix et le développement de notre religion conformément aux saintes écritures et à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous réjouissons de notre pays. Nous savons que ce que nous sommes en train de faire, le temps que nous vivons, est un héritage que nous avons pris de nos ancêtres. À chacun de nous de se demander quel est l'héritage qu'il va laisser, quant à lui, aux générations futures. Un héritage, nous avons cet héritage-là qui est bâti sur l'islam, la religion de la paix, sur la fraternité, la concorde et l'entraide, comme nous le venons de le constater. Et quant à nous, nous devons tout faire, mutualiser nos efforts, qu'on soit gouvernant ou gouverné, pour laisser ce héritage-là aux générations futures. Nous réjouissons aujourd'hui de la présence de tout le monde. Et c'est un cas qui n'est pas constaté dans beaucoup de pays, même ceux qui sont plus musulmans que nous, à forte, majorité musulmane. Nous ici, quand il y a quelque chose qui est lié à la fraternité ou bien qui est lié à la religion, tu vois, même le président, même le premier ministre, les membres du gouvernement, le CNT et les représentants de la Cour suprême et toutes les catégories sociales de notre pays viennent se mettre ensemble pour essayer de magnifier Allah subhanahu wa ta'ala, montrer la fraternité qui lie les ethnies de ce pays, montrer que nous sommes attachés au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés tous et nous a dit de nous cramponner sur le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sa religion qu'il a choisi pour l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce grand rassemblement qui va en droite ligne avec le régime en place. Et nous vous réaffirmons notre attachement à consolider ce rassemblement et à consolider les liens de fraternité entre tous les enfants de la Guinée et entre toutes les ethnies. C'est notre mission principale en tant que représentants de la religion en Guinée. Ensuite, nous devons tous lutter contre toute idée, toute interprétation déviationniste qui nous éloigne de notre religion. C'est pourquoi on ne sera pas d'accord. Les affaires religieuses, je sais que c'est la primature, la présidence, ne seront jamais d'accord avec ceux qui veulent profaner notre religion. On ne va pas l'accepter dans le pays. Notre religion est claire là-dessus. Nous devons respecter les règles de notre religion telles qu'énoncées. Toute idée déviationniste qui cherche à transformer notre religion, à créer la zizanie entre les ethnies, à créer la division entre les musulmans et les autres, ne sera pas acceptée par nous. Et Inch'Allah, par la voie la plus pacifique aussi, nous allons lutter en sensibilisant, en instruisant et en consolidant ceux qui s'alignent vers l'idée de la paix et la quiétude sociale.